Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo book haul qu'il fallait que je vous fasse depuis un petit moment puisque la dernière remonte genre au mois de mai, je crois bien, j'en ai pas fait depuis. Après, j'ai pas des masses de livres à vous présenter, donc c'est pour ça que je voyais pas l'intérêt de vous en faire un avant. Mais là, il est grand temps. D'avance, je m'excuse si la luminosité change, c'est un temps vraiment... Voilà. Voilà, alors pendant que je parle ça se produit, c'est un temps vraiment pourri en fait pour filmer puisque c'est nuageux, mais je ne peux pas attendre de... Enfin c'est le dernier moment que j'ai pour vous filmer en fait puisqu'après ça va être le bordel entre mon départ en vacances, mon déménagement etc. Donc c'est maintenant ou jamais, sinon vous n'allez pas avoir de vidéo pendant genre au moins un mois. Donc voilà. Je viens de me rendre compte qu'il y a un livre que je peux pas vous présenter puisque je l'ai prêté à quelqu'un. Il s'agit de La Loi du Cœur de Amy Herman, mais à la limite c'est pas trop grave puisque je vous en ai déjà parlé dans le dernier update lecture. Donc je vous invite plutôt à aller regarder la vidéo. Ces derniers mois je me suis acheté le dernier tome des Étoiles de nos 7 qui est paru chez J'ai lu. Donc c'est le tome 4, c'est Origine, la première partie de Sophie Jomin. Je vous en ai aussi déjà parlé dans le dernier update lecture qui a été publié sur ma chaîne. Je vous renvoie à cette vidéo, c'est beaucoup plus simple, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite sur les conseils d'Aurore, je me suis pris Gioconda de Nikos Kokantis qui est chez les éditions L'Aube. Éditeur engagé, découvrir, partager. Bref, c'est une histoire d'amour tout simplement époustouflante. J'ai pas trop envie de m'attarder dessus maintenant puisque c'est un petit livre. J'aimerais pouvoir vous en parler vraiment lors du prochain update lecture, mais sachez que c'est une pépite. Une pépite. Aurore, quand elle m'en a parlé, elle avait les larmes aux yeux. C'est ce qui m'a donné envie d'acheter le livre. Je suis allée à la librairie, pas du tout pour ça à la base. Et je suis quand même repartie avec parce que je ne pouvais pas. Voilà, il me le fallait à partir de ce moment-là. Et j'ai pas du tout été déçue. Un nuage passe là, donc ce qui explique ce changement à nouveau. Je me suis pris exclusivement à cause de la couverture Night Owl de Jen Bennett. C'est chez les éditions Simon & Schuster, donc c'est en anglais. Pourquoi à cause de la couverture? Tout simplement parce que je pense que, voyez, elle est magnifique. Et Night Owl, hibou, enfin voyez. Voilà, voilà. C'est une histoire d'amour, c'est du young adulte, c'est tout frais, ça fait du bien, c'est chouette. C'est une fille un petit peu bizarre, un petit peu décalée, qui désire... Elle veut devenir, vous savez, les gens qui font les croquis des cadavres à la morgue, elle veut devenir ça. Et elle rencontre lors d'un voyage de nuit dans un bus un jeune homme qui lui fait des graves dans la rue, etc. Qui est un petit peu le vandale recherché, le bad boy, mais en fait c'en est pas un. Enfin, c'est hyper chouette comme histoire, c'est un jeune homme très mystérieux, j'ai beaucoup aimé les personnages et tout ça. Bon, là je m'égare, je vais presque vous faire une chronique, mais en tout cas, je vous en reparle très prochainement parce que je l'ai déjà lu, je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Idem, vous l'avez déjà vu dans mon dernier update lecture, c'est Pars avec lui de Agnès Liaudigue chez Pocket. Je m'attarde pas du coup, je vous en dis pas plus, puis je vous invite à regarder la vidéo. En tout cas, comme tous les Agnès Liaudigue, j'en ai pas lu des masses non plus, c'est seulement mon deuxième, mais j'ai beaucoup aimé et je pense que cet auteur est en phase de devenir une de mes préférées. On arrive un petit peu plus à des livres que j'ai achetés pour les cours de littérature. Donc j'ai L'enfant éternel de Philippe Forest. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle puisque au dos on n'a pas un résumé, mais on a un extrait de texte et j'avais beaucoup aimé le style, du coup c'est celui-ci que j'ai pris. J'ai pris aussi La femme gelée de Arnie Ernaux. Là ça parle un petit peu des conditions de la femme plus ou moins, enfin une femme qui a 30 ans se rend compte qu'elle est bloquée dans sa situation de femme telle qu'on les attend, telle qu'on les imagine. Vous savez, cette femme qui s'occupe des enfants, qui en plus du travail s'occupe du ménage, etc. Et voilà. Et je me suis aussi pris La délicatesse de David Foenkinos. J'ai lu beaucoup de David Foenkinos, j'ai hâte de découvrir celui-ci puisque c'est quand même l'un des plus connus étant donné qu'il y a eu un film dessus. Je sais plus ou moins de quoi ça parle. Donc je sais que c'est une histoire d'amour, a obtenu 10 prix littéraires et a été traduit dans une quarantaine de langues. Tiens, je ne savais pas ça. Donc chez Folio, hein, les 3 sont chez Folio et il y en a encore d'autres qui sont censés arriver, mais du coup je vous les présenterai plus tardivement. J'ai reçu des éditions Cherche Midi pour la rentrée littéraire à ma place de Claire Winien. Idem, je ne sais pas de quoi ça parle puisque au dos nous avons un extrait et non pas un résumé. Mais je pense que ça va me plaire puisque j'ai beaucoup aimé ces quelques lignes. Je crois qu'il est à paraître pour le 25 août, donc pour le moment vous ne pouvez pas encore vous le procurer, mais ça ne saurait tarder. Et j'ai reçu également, grâce à Livre Hebdo aux éditions Milan, j'ai reçu Six of Crows de Les... Alors je pense que ça se dit pas Lys, mais ça se dit Lace plutôt, Bardugo, j'en sais rien en fait.
dont je vous ai aussi déjà parlé dans une petite vidéo, mais dont je vous reparlerai un peu plus profondément dans un update lecture, puisque la vidéo était plus ou moins faite exclusivement pour le concours. Je vous en parlais brièvement et j'ai vraiment envie d'approfondir un peu mon point de vue sur ce livre, puisque j'ai beaucoup apprécié cette lecture et tout simplement j'ai envie de vous donner envie de le lire. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce book haul, j'espère que ça vous a plu, excusez-moi vraiment pour cette qualité qui du coup est vraiment pas terrible, mais comme dit, il fallait vraiment que je vous filme aujourd'hui parce que sinon je ne trouverais pas le temps de le faire, et voilà, tout simplement il le fallait. J'espère que vous me pardonnerez et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !